Eh bien, salut à tous! On se retrouve après 10 jours d'absence à peu près, puisque j'étais parti en vacances à Barcelone où j'ai pris de relativement beaux coups de soleil. D'ailleurs, je regarde mon bras et je pèle. Comme quoi, l'indice UV indiqué a fait très mal. 6 sur une échelle de 11, je crois, l'indice UV. Enfin bref, on va revenir. J'espère ne pas vous avoir trop manqué. En tout cas, j'ai eu quelques petits messages durant cette absence. Et puis. Les vidéos de la vidéo d'Alex qui m'a fait bien plaisir parce que au niveau du cadeau que je lui ai envoyé, le livre, le dictionnaire officiel de l'Olympique Lyonnais, j'espère que ça lui plaît. En tout cas, il semblerait, suivant sa vidéo, que c'est des cadeaux qui lui ont fait plaisir. Ah bon, ça fait beaucoup de lecture, hein, comme il le répète, même si c'est pas son fort, ça va être compliqué de tout lire. Mais bon, c'est vrai que ça fait pas mal d'informations. Et puis bon, quand c'est son club de prédilection, son club favori, quand on est fan, je pense que ça. C'est relativement agréable de lire, de découvrir des choses, hein, parce qu'on ne connaît pas tout, hein, forcément. Donc voilà. Donc on va revenir sur ce match très important. Donc match retour de la demi-finale. Demi-finale retour donc de la Champions League. On se rappelle du match. Donc c'est les deux équipes allemandes, hein, qui ont fait vraiment carton plein, presque pour Dortmund, même s'ils ont encaissé un but. Parce qu'il y avait quand même 1-1 à la mi-temps, je crois. Moi j'avais suivi le match en Espagne, hein, puis. Bon, c'est vrai que moi j'avais suivi le match dans un bar déjà du Barça avec la désillusion hein, forcément en Allemagne face au Bayern Munich 4-0 hein, quelle défaite avec des joueurs très puissants. C'est sûr Barça qui n'a pas forcément réussi à déployer son jeu. Alors on verra où qu'en nous, ce sera mercredi, j'aurai l'occasion aussi de simuler sur PES, mais là on va se concentrer sur ce match avec vraiment un très faible espoir à un hein, côté madrilène. Tout comme Barcelonaire. Mais bon, il y a quand même un but marqué à l'extérieur. Ça peut être important dans le cadre d'une démonstration à domicile à Bernabéu. Ça peut être le cas, on ne sait pas. Mais c'est vrai que ça va être compliqué parce que bon, les prestations en phase de groupe ont été relativement serrées déjà entre ces deux équipes, puisqu'ils étaient dans le même groupe. Il n'y a jamais eu vraiment comment dire, une équipe qui a surclassé l'autre, hein, sauf au match aller des demi-finales, là où le Borussia a vraiment fait du très très bon boulot, avec un réalisme énorme, malgré un 1-1 à la mi-temps où on pensait que Madrid avait fait le plus dur en égalisant, mais voilà, ça c'est Lewandowski, vraiment vraiment un énorme joueur qui est sur le départ d'ailleurs, tout comme. Reus ou Goethe, je ne sais plus si c'est l'un des deux qui est en instance de départ, ben, au Bayern Munich d'ailleurs. Enfin bref, ça fait bon ton, ça fait pas mal de temps que je parle, on va quand même passer à ce match, hein, après 3 minutes de parlotte. Donc voilà, ben, ça va être compliqué, on le rappelle, avec un arbitre qui semble allemand, on dirait, Christopher Frölunder. Alors, j'espère qu'il va pas favoriser l'équipe de Dortmund. Pas besoin de ça, de toute façon cette équipe avec un avantage de plus 3 avec bon un but à l'extérieur mais bon encaissé à domicile. Mais bon on est tout en espoir pour cette équipe de Madrid, du Real Madrid, hein, qui vraiment réalisera un exploit. De toute façon, comme le dit l'entraîneur du Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, quoi qu'il arrive dans ce match, ce sera un exploit. Ce sera vraiment quelque chose de très important de réaliser, que ce soit pour le Borussia en cas de qualification, hein, puisque ce serait la première fois qu'ils, enfin, depuis longtemps d'ailleurs, qu'ils n'ont pas disputé un match de cette envergure en une finale de Ligue des Champions. Alors que pour le Real Madrid, revenir d'une telle défaite, alors qu'on est dans un superbe stade, bien évidemment. Le stade qui est d'ailleurs présenté, je crois, lors du générique officiel de la Ligue des Champions qu'on a l'occasion de voir dans le jeu PES 2013. Et puis on a eu aussi quelques nouvelles de FIFA 14 hein, qui en développement, qui va bientôt sortir, sûrement une bande-annonce, un petit trailer qui ne devrait plus tarder. Moi, ce que j'attends de voir, c'est la qualité sur PlayStation 4. Bien évidemment, et je crois que bon, sans trop de précision, mais bon, je pense que quand même ça va être. Je vais valider cette date, mais je pense qu'un prochain jeu concours devrait débuter le 5 mai, dimanche 5 mai. Je pense que je vais redébuter un jeu concours qui s'étalonnera donc jusqu'au 5 juin, durant un mois, avec n'importe quel acteur qui pourra y participer, hein. Même Medine, enfin Medine,
Je pense pas que de ce jeu concours tu pourras remporter un nouveau jeu vidéo. De toute façon, je crois que ta PES est FIFA, donc. Mais bon, libre à toi de participer et de finir à la deuxième, entre la deuxième et la cinquième place pour gagner un autre cadeau, quel qu'il soit. On sait que tu supportes pas mal le Real Madrid, enfin je le sais, de par d'ailleurs ta photo d'avatar. Alors Cristiano qui était blessé, annoncé blessé, mais qui est finalement dans le groupe, tiendra-t-il sa place de titulaire? Il semble rien, parce que bon, José Mourinho qui a parlé d'une titularisation. Alors est-ce que c'est un coup de bluff? Est-ce que c'est une blessure qui n'est pas si méchante, puisqu'il a participé à l'entraînement de dimanche, Cristiano? Et l'homme à suivre, bien sûr, c'est Lewandowski, à hauteur d'un quadruplé lors du match aller. C'est l'homme qui a été relativement déterminant pour ramener cette victoire à domicile. Rien n'était fait à la mi-temps, un but partout, et là, voilà, Lewandowski bien placé. Une belle frappe de Gundogan, je crois aussi. On va passer en mode CPU versus CPU, en espérant que mon matériel ne saute pas lors de cette génération. Ce qui serait malencontreux, je serais obligé de régénérer. Et le commentary qui irait avec. Allez, c'est parti. L'espoir fait vivre, l'espoir du côté madrilène. Avec une possibilité, bien évidemment, en cas de d'un match parfait, presque. Il faudrait un match parfait pour Madrid. Avec un pressing qui va être relativement élevé, je l'espère, de la part de cette équipe face à Dortmund. Allez, ça essaie de provoquer là, de passer avec une bonne passe pour Higuain. On revient à Xabi Alonso qui a une bonne frappe. On va peut-être le décaler en pivot. On va essayer de centrer avec Cristiano Ronaldo. Le dribble, il est passé recul. On joue court pour le moment. On essaie de conserver la possession. On est très proche quand même des cages pour le moment. Özil qui va jouer court. Le beau tacle et la récupération. Et Lewandowski en pivot, attention contre-attaque. Justement, c'est comme le dit l'entraîneur et comme le disent les analystes, hein, c'est sa capacité à Dortmund de se projeter très rapidement d'une phase défensive à une phase offensive. Là, on va le voir, il n'y a pas de hors-jeu. Götze qui va pouvoir centrer, attention peut-être de la tête. Et ça va être pour Diego Lopez qui va s'en emparer. Alors, il va falloir marquer beaucoup de buts pour une qualification madrilène. On espère au moins des buts, une victoire quand même madrilène. Après, si c'est pas suffisant au niveau de buts marqués, bon. Ils auront quand même fait du haut. Varane qui va presser haut, la récupération est haute. On va revenir à une faute. Un joueur blessé. C'est Blazirkowski, pardon. Le capitaine qui semble blessé à la clavicule, à l'épaule. Alors qu'on voit Gundogan et Blazirkowski qui a donné son brassard, donc il va sortir. C'est Piszczek qui a récupéré le brassard. Étrange. Ah, c'est dommage. Grosskeutz qui fait son entrée. Et on va rendre la balle au. Ah, c'est une mauvaise nouvelle pour les Bavarois. Les joueurs du Borussia. Grosskeutz. J'ai fait ce qu'il m'a récupération. Du Borussia, il va falloir un pressing plus haut pour Madrid. Hein, pour récupérer le ballon. Le 1-2 est bien parti là pour le moment. Alors est-ce qu'on aura le droit à un beau jeu avec la balle en profondeur? Attention, faut pas laisser filer le poteau, la reprise. Oh là là, Lewandowski qui vont dans le jeu. Tout proche de marquer. Il aurait fallu 4 buts ensuite pour Madrid pour égaliser, pour mener aux prolongations. Oh là là, ils sont pas dedans les madrilènes. Ils perdent beaucoup de ballons. Ils ont quand même réussi à battre à l'extérieur l'Atlético Madrid. La frappe, elle n'est pas cadrée. Et c'est le Borussia qui reprend le jeu à son compte. Ça paraît peu probable. Hein. On avait vu quand même une. Si on peut voir une concrétisation et la mauvaise passe et le dégagement. Oh là 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 là, qu'est-ce que font Madrid? Qu'est-ce que font les madrilènes? C'est Medine qui va pas être très content. À la faute sur Cristiano. Hein, bien sûr. Ouais, si on va peut-être assister à un match comme on a pu le voir entre le Barça et le Milan AC avec une défaite du Milan du Barça à Milan 2-0. Suite une réaction à domicile 4-0 pour le Barça. Alors c'est tous le bien qu'on puisse souhaiter au Real Madrid face à cette équipe du Borussia, mais c'est sûr que ça va être compliqué parce que ces deux équipes qui sont rencontrées, ce serait la quatrième fois qu'ils se rencontrent dans cette compétition. Il n'y a jamais eu vraiment de score fleuve pour les madrilènes. C'est toujours et donc le ciseau d'Higuain, le dégagement, peut-être la récupération madrilène, la tête, hein, c'est le Borussia qui récupère. Toujours 0-0, pas de but
Oh, ça joue très bien côté la balle en profondeur pour le dégagement de Sergio Ramos. Higuain, hein, on a du mal. Hein. Ah, je pense qu'il y aura quand même plus de jeu, plus d'action dans la vraie rencontre. Lewandowski, le jeu long. Attention, la tête, la récupération propre de Sergio Ramos pour Xabi Alonso. On joue à la baballe alors qu'ils sont menés quand même 4 buts à 1. Il serait peut-être temps de donner le ballon un peu plus haut. C'est fait avec Cristiano Özil. Higuain, Khedira, il reste peu de temps, il faudrait ouvrir le score, ouvrir la marque pour les Madrilènes peut-être sur cette action avec Higuain, la mauvaise passe. Malheureusement la récupération de Dortmund, non, Arbeloa, ah, ça joue un peu plus haut, l'arbitre qui vient gêner la transmission madrilène. C'est dommage pour les Madrilènes là qui vont peut-être récupérer, non. Si, c'est fait avec Arbeloa, Khedira, il faudrait un but. À la demi-heure de jeu ce serait bien. On se rappelle il y avait 1-1 au match aller, donc ça veut rien dire, un seul but marqué. La première mi-temps, tout peut se jouer en seconde. Allez, le jeu long sur Cristiano, le contrôle de Cristiano. Il est passé, il va provoquer. Ah bien, travail de Pisek qui va pouvoir dégager. Récupération madrilène, attention de ne pas propulser cette balle en touche. Mais si, et voilà. C'est annonciateur d'une mauvaise récupération madrilène là. Le jeu 1-2, et là, où est le marquage côté madrilène. Le centre à suivre, attention, la sortie de Diego Lopez. Sans problème. Les madrilènes qui n'arrivent pas à passer pour le moment. Et c'est plutôt même le Borussia qui pose des problèmes, qui est dangereux en contre-attaque. Allez là, Di Maria qui va essayer de passer. C'est bien fait. Il va rejouer dans l'axe là, le 1-2. C'est parfaitement joué. Les défenseurs qui courent après. À la faute, oui. Coup franc à suivre pour Madrid. Ouais, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est Cristiano qui va s'en charger. Va-t-il tirer directement? Ah, ça va être un centre à suivre peut-être. Attention, la tête peut-être. La Varane. Varane qui était tout proche du 1-0. Et la belle parade du gardien. Attention là, ouais. Bah. Benenfeller qui avait fait un très beau match d'ailleurs face à cette même équipe au match aller. Avec de beaux arrêts déterminants. Il n'avait rien pu faire lors du but de Cristiano Ronaldo. Bien placé. Özil, ah c'est bien joué ça, c'est 1-2 avec Cristiano Ronaldo. On va jouer sur l'aile avec Fabio Contrao, on rejoue Özil. Cristiano Ronaldo dans l'axe, il est passé, Cristiano la frappe, un parade de Benfica encore. Alors, ça ne veut pas passer côté madrilène. Des belles frappes, des belles occasions. Cristiano qui s'illustre, mais encore le gardien. Alors là peut-être la tête ici, on dégage comme on peut. Ça va être récupéré par les madrilènes, la frappe d'Higuain qui manque de puissance. On se dirige tout droit vers la fin de cette première période avec un 0-0. Des occasions. La récupération madrilène. Pour le moment, ils font le jeu les madrilènes après un début de match assez compliqué. Et une domination du Borussia. Cette fois, c'est les madrilènes qui récupèrent le jeu à leur compte. Higuain. Di Maria. Di Maria qui est passé. Di Maria qui accélère avec Higuain. Ah, c'est bien défendu ça. Et le corner à suivre. Peut-être encore une occasion de Varane de la tête. Ce serait bien. Il est bien tiré. La tête contrée, là je crois, encore un corner. Et à nouveau c'était Varane qui était. C'était mis à contribution à la tête. Attention Varane à nouveau. Oh la parade. Ouais mais bon, elle est sortie. Cette balle. Mais c'est Varane qui de la tête s'impose en surface. Malheureusement les balles ne sont pas assez. Assez cadrées, assez dangereuses. À part une bonne tête de Varane, la première d'ailleurs. Encore un blessé côté Dortmund. Est-ce que l'arbitre va y revenir? Non, il va se relever ce joueur. Bender. Reus. Bender à nouveau qui va pouvoir centrer. Il a récupéré ce ballon. Et c'est un corner cette fois côté allemand. Ah, c'est Lewandowski qui est. Non, mais pourquoi on indice Lewandowski alors que c'est Hummels? Gros bug côté Electronic Arts. Et c'est une nouvelle. Un nouveau blessé côté Dortmund. Alors ça s'enchaîne. Ils auront fait deux changements. Ah, c'est Lewandowski qui est bien blessé, ben, on ne comprend rien aux images fournies par Electronic Arts là. C'est surprenant ces bugs. Ah, c'est une mauvaise nouvelle. Lewandowski blessé. Ça va être moins dangereux hein, côté la tête peut-être. Oh le beau ciseau retourné de Sergio Ramos pour dégager, mais toujours 0-0 dans ce match. Pas de but, des occasions de part et d'autre. Madrid qui aurait pu ouvrir le score. Là ça va être compliqué de marquer 4 buts.
Mais il en faudrait 3 hein, pour se qualifier, 3-0. Mais bon, là pour le moment, ça paraît peu crédible. Difficilement pronosticable, un 3-0 pour... Alors on voit la tête de Varane. Et là, le travail de Cristiano, il la frappe de l'extérieur du pied, encore bien paré par Weidenfeller qui ne laisse rien passer définitivement. On revoit la frappe d'Higuain peu puissante, peu dangereuse. Une rentrée peut-être de Benzema au cours du match. Là, on revoit le corner. Aucun problème. C'est des actions du début de match, hein, je ne sais plus. On va voir quand même les sorties. Ah, c'était peu dangereux ça pour les gardiens. Ouais, ça va revenir aux statistiques avec une possession à l'avantage des Madrilènes. 4 tirs contre 3 seulement. 2 tirs cadrés, 0 tir cadré pour les Bavarois. Les joueurs du Borussia. Voilà, deux blessures. Hein. Ils sont pas chanceux, hein, les joueurs du Borussia au niveau des blessures. Lewandowski, Blazirkowski. Ben, c'est pas vraiment très, très glorieux. Sauf que c'est deux bons joueurs, deux joueurs importants de cet effectif. Bon, ils ont réussi à gagner à l'extérieur aussi. 2 buts à 1 lors du précédent match. Ces deux équipes, que ce soit le Real Madrid ou le Borussia, qui sont deuxièmes de leur championnat respectif. Donc c'est sûr, c'est du lourd hein, ce genre de match. On voit les blessures, les buts, bon, pour le moment rien du tout. Deux blessures côté Borussia. Voilà, deux changements. Kroos, Kreutz et Schieber qui sont rentrés à place de Lewandowski et Blazirkowski. Voilà, bah écoutez, ça fait 16 minutes. 17 minutes même, on va passer à la seconde période tout de suite. En espérant des buts. Alors même si c'est hein, les Bavarois, pourquoi je dis tout le temps les Bavarois? Les joueurs du Borussia, les joueurs de Dortmund, même s'ils venaient à marquer, ce serait bien. Allez, Schmelzer, le centre, attention, il n'y a plus... Oh, c'est quand même Lewandowski. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Un penalty, Varane, qui a touché la balle de la main. C'est fini, je crois, pour les joueurs de Madrid, à moins que... Ah, c'est Hummels qui s'en charge en absence de Blazirkowski et Lewandowski. La frappe, ouais, lucarne opposée. Ah, le pénalty là, ils en ont déjà concédé un à l'aller, un pénalty douteux. Puisque bon, Sergio Ramos avait fait une petite poussette, je sais plus si c'était sur Reus ou Goethe. Mais bon, il y avait à la limite pas contrôle de la poitrine, mais contrôle de la main. Et là, voilà, ouverture du score pour le Borussia Dortmund. Ah là là, c'est dommage, ça, sur un pénalty encore litigieux, je crois. Je pense que Dortmund va pas perdre ce match, ça paraît quand même. Dortmund, Real Madrid. Ah là, la balle qui sort en touche, et voilà. Les joueurs de Dortmund qui récupèrent ce ballon. Ah, c'est pas leur... leur journée, hein, les joueurs du Real. José Mourinho qui paraît en cas d'élimination d'un échec quand même important pour lui et pour son équipe, c'est sûr. Hein. C'est une de ses missions quand même, d'un entraîneur qui dispute ce genre de compétition, de se qualifier. Arbeloa qui va centrer, le centre est mal exécuté, c'est la récupération pour Giorgio Borussia Dortmund. Et ça joue bien même aux côtés Dortmund avec Reus. La balle en profondeur pour Goetz. Reus à nouveau. Goetz qui va peut-être récupérer ce ballon. Le centre à suivre, mais c'est trop proche du gardien. Diego Lopez qui s'en empare. Il va jouer court, il va jouer long. La récupération. Goetz. Schieber qui va provoquer, qui récupère, qui joue long à nouveau, mais c'est... C'est mal joué. Alors je sais pas pourquoi il y a tant de jeux longs alors qu'on pourrait jouer court. Allez Madrid. Il faut une réaction là. Il faut 4 buts. Je pense que dans la réalité ils ont les moyens. Encore une balle pour Diego Lopez. Ils ont du mal à récupérer ce ballon, à poser le pied sur la balle. Xabi Alonso, Kedira. Özil. Higuain a bien joué ça avec Xabi Alonso qui était monté aux avant-postes. Le jeu long, ouais, mais c'est complètement manqué ça.
Oh là là, on ne retrouve pas du tout le jeu madrilène. Le dernier changement côté Dortmund avec Sain qui remplace Bender. Et malgré tous ces changements et ces blessures, c'est le Borussia qui mène dans ce match. Özil. Arbeloa. Kedira à la talonnade de la récupération de Dortmund. Kroos-Kreutz. Allez, il faut donner son ballon. Pisek. Ah, ils ont la domination, les joueurs du Borussia là. Et ça joue court. Attention, on va être au 2-0 là. Il faut peut-être presser plus haut. Ça joue court. Attention, la frappe. La parade de Diego Lopez sur cette frappe de Goetz. Et c'est le corner à suivre. Et c'est les joueurs du Borussia qui sont en pleine confiance. La tête, ça revient dans les pieds de Reus. Sur la tête de Reus, pardon. Sain Reus. À nouveau la frappe enchaînée. Elle est contrée. La contre-attaque peut-être côté madrilène avec la récupération d'Higuain. Il est tout seul. La défense est bien placée. Attention à la contre-attaque quand même. Avec Higuain lancé dans la profondeur. C'est pas le plus rapide, c'est sûr. Il va provoquer. Il va jouer en retrait et ça part en touche. Voilà. On a du mal à déployer son jeu côté Real Madrid. Alors je pense que Omar reviendra pour le match du Barça. À la récupération d'Özil. Madrid qui n'y est pas. Madrid qui tente bien là avec l'accélération du Di Maria. On revient à Kedira avec Cristiano qui récupère de la tête. Mais malheureusement, c'est pas dangereux. Il reste une vingtaine de minutes à jouer. Et pas beaucoup de buts. La tête. Ah, la récupération peut-être. Là, il faut récupérer plus vite, Higuain. C'était une action de but. A lancé Cristiano. Ah non, pas Cristiano. Je sais pas si c'était Higuain ou. Ah, la récupération. Attention, le jeu rapide. La récupération de Reus qui va jouer court, qui est pressé mais qui quand même réussit à transmettre son ballon. Récupération madrilène. Qu'un quart d'heure à jouer, toujours pas de but côté Real Madrid. Il faudrait peut-être faire le spectacle à domicile, lui jouer à la baballe là avec Varane. Voilà, voilà, merci. Cristiano. Allez, la profondeur trouvée avec Özil. Le centre à suivre peut-être, Özil bien pressé. Voilà. Cristiano qui va sortir. Ah non, c'est Benzema qui fait son entrée à la place d'Higuain. Sera-t-il déterminant? Ce serait bien. Allez, le jeu court, ça s'est bien joué dans la profondeur. Non, dans la surface, il faut peut-être éviter de reculer. Comme ça, on avait une occasion de but, se retourner. La frappe de Kedira, elle est contrée. Kedira qui récupère la tête. Ah non, récupération de Dortmund, impeccable. Oh là là, attention à ces pertes de balles. Ouh, il est passé, Schissel à la balle en profondeur peut-être. C'est pas fini. Avec Reus qui récupère ce ballon, qui va pouvoir centrer peut-être. Reus dans l'axe. La frappe enchaînée, elle n'est pas cadrée. Sain qui n'a pas pu se pencher suffisamment sur ce ballon pour cadrer sa frappe. Qui dira qu'il n'aura rien pu faire, qu'il va faire sa sortie aussi. C'est par Lucas Modric peut-être. Ah non, c'est Essien. Un choix plus défensif quand même. Alors qu'il faudrait marquer des buts, mais bon. Le match est relativement plié, semblerait-il. Et les Borussia qui récupèrent encore ce ballon. Le pressing qui ne paye pas côté madrilène. Petit va récupérer le ballon là. Xabi Alonso qui joue long. Subotic qui récupère. Voilà. C'est une domination quand même de Dortmund. C'est moins évident que lors du match aller. Et là on voit quand même qu'on n'arrive pas à récupérer le ballon. Il va même récupérer une faute même. C'est une faute de Sergio Ramos qui va récupérer un. Qui va prendre un carton jaune. Ce tirage de maillot. Allez, coup franc à suivre. C'est bien joué. On tente une combinaison. Gundogan. Sain. On joue dans l'axe. Subotic. Attention, Reus. Sain qui récupère quand même, qui va jouer dans un. Il n'y a pas de l'enjeu, Götze qui enroule. Ça revient dans les pieds de Schisser qui n'arrive pas à armer une frappe. Reus à la fin de match et à l'avantage de Dortmund. Oh là là, Gundogan, quel dribble. Attention en contre-attaque avec Di Maria. Peut-être un but partout, ce serait bien pour sauver l'honneur quand même. Benzema. Di Maria. Ah, Di Maria, la passe. Dégagement en touche. Allez, Benzema.
On vient en arrière, mais qu'est-ce que c'est que cette passe? Mais c'est pas possible! Dégagement. La fin de ce match. Non, encore une touche à suivre. Ah, Xabi Alonso. Allez, un petit but là, Cristiano Ronaldo. Benzema. Il est bien. Oh, la passe est mal assurée, mais elle sort pas cette balle. La tête! Oh là là, la parade! Ça va sortir en touche. Pour les joueurs de Madrid, sûrement. Özil. La touche pour Cristiano Ronaldo. Cristiano qui va dribbler. Qui s'affile, qui frappe, elle est contrée. Voilà, ça sent la fin de match. Voilà, les joueurs qui tombent du Real Madrid. Et c'est fini. Ce match sur ce 1 à 0 du Borussia Dortmund qui vient même s'imposer en terre espagnole. Alors, ils peuvent siffler les joueurs, les supporters du Real Madrid. Moi, ça paraît peu crédible hein, quand même. Je pense que le Real Madrid va s'imposer dans ce match à domicile. Comment peuvent-ils se faire battre par le Borussia? À l'aller, on pouvait comprendre, c'était en Allemagne dans un stade chaud. Mais là, à domicile, ils vont faire le spectacle quand même, le Real Madrid. Hummels sur penalty. Ouais. Quand même curieux ça. Avec une main de Varane. Ouais, c'est dommage, il n'y a pas eu le spectacle escompté. Pas eu beaucoup d'action non plus, j'ai l'impression. Enfin, si, côté Dortmund, il y a eu l'occasion de. Voilà, il y a quand même des occasions de marquer, mais bon, un très bon gardien. Cette frappe de Cristiano. Alors, on voit ce penalty parfaitement tiré. Lopez qui ne peut rien faire. Il y a eu beaucoup de jeux longs, pas forcément le meilleur choix. Elle a la parade là sur cette frappe. Et là il n'y a pas d'hors-jeu. Heureusement qu'il tire sur le gardien. Et là heureusement que le nouvel entrant n'a pas pu armer de frappe. Et là cette tête qui a failli être cadrée, mais bon, bien détournée encore par le gardien. Alors la meilleure note revient à qui à... Ouais, à Wendenfeller. Il n'y a plus vraiment de bonnes notes dans le jeu, même si c'est à l'avantage quand même du Borussia. Real qui n'a pas encore réussi à déployer son jeu. C'est dommage. Mais bon, c'est dû à FIFA, je pense que dans la réalité. J'espère assister à un très beau match. Bien plus beau que celui un peu fermé auquel on vient de voir ces joueurs se. Ah, je ne sais plus quoi dire. Hein. J'ai du mal à trouver mes mots. En cette soirée où je suis assez fatigué. Après des vacances, hein, vous allez me dire, c'est assez étrange d'être fatigué, mais bon. Alors, des dribbles. Ah, et beaucoup de dribbles réussis, Reus et Götze, ça sera peut-être leur match. Schieber qui n'a pas réussi à armer la dernière frappe qui aurait pu mener à au 2 à 0. Varane fautif, étrangement fautif sur ce penalty. Encore un penalty litigieux. Voilà. Beaucoup d'arrêts de part et d'autre, mais bon, surtout sur des balles aériennes. Des arrêts peu dangereux, sauf Wendenfeller qui a dû se bien décoller, bien s'envoler pour détourner certaines frappes, que ce soit la tête de Varane ou la frappe de Cristiano Ronaldo. Donc voilà, on se quitte là-dessus sur une victoire qui paraît peu probable quand même en terre espagnole du Borussia face à une équipe du Real Madrid qui a bien envie de prendre sa revanche. Et moi je pronostique quand même, même s'il y aura un but de Dortmund, je pense qu'il y aura un 3-1 pour Real Madrid. Ils ne parviendront jamais à marquer ce quatrième qui leur permettra de mener aux prolongations. Après je peux me tromper, hein, ça peut être un 4-0 ou un 3-0 sans même but de Dortmund. Ce qui mènerait directement à la qualification, mais ça risque d'être très compliqué. Ce sera un exploit, vraiment un exploit énorme de la part des Madrilènes. On va voir, la défense est quand même solide hein, côté Borussia. Alors ils avaient encaissé le but face à Fortuna Düsseldorf lors de leur précédente rencontre. C'était à quelle période? Je vais voir ça tout de suite. Est-ce que c'est en début de match? Est-ce que c'est après avoir mené 2 à 0? Alors que je regarde Monaco qui n'est pas encore en Ligue 1. Qui aurait pu... enfin, champion de Ligue 2, je sais plus si... non, je crois qu'ils auraient pu être définitivement... en Ligue 1 en cas de victoire là face à Sedan, mais ils ont décroché un match nul.
Alors je regarde, ouais, ils ont mené 2 à 0 avant de se faire reprendre d'un but à la 88e face au Fortuna Düsseldorf, les joueurs de Dortmund. Une équipe qui n'encaisse pas beaucoup de buts, ah si, quand même 36 encaissés, 5 de plus que le Real Madrid. Un match qui s'annonce serré, une différence de but à l'avantage des Madrilènes. Ouais, je pense quand même une réaction quand même des Madrilènes et une victoire des Madrilènes. 3 buts à un match pronostic. Après, je ne suis pas très d'accord avec cet avis de FIFA. FIFA 13. En tout cas, voilà, on se quitte là-dessus. On se retrouve demain. Alors, Stade Santiago Bernabéu est parfaitement fait, je trouve, avec ses étages. Très beau stade. Donc voilà, moi j'étais au Camp Nou la semaine dernière, jeudi dernier. Et c'est sûr que c'est très. On sent toute l'atmosphère de ce stade, le Camp Nou, même quand il est vide. Ah, c'était sous la pluie, mais bon, quel magnifique stade. En tout cas, on se retrouve demain dans ce même Camp Nou, avec le match FC Barcelone, Bayern Munich. Voilà, on se quitte là-dessus. Je suis ravi de vous avoir retrouvé après ces vacances. Portez-vous bien et bonne journée, bonne soirée à vous. On espère une meilleure prestation du club du Real Madrid. Allez, ciao!